C'est toujours moi, on est le dixième jour de l'Avent, du calendrier de l'Avent. Donc ça approche, hein, les fêtes approchent. Donc là, je pense que vous êtes de plus en plus en forme, vous avez la patate comme moi. Donc on va essayer de partir avec du gainage. Les gainages, vous travaillez un petit peu les obliques, les poignées d'amour pour les garçons. Donc on est sur les côtés. Donc on est ici, super. Donc les options, vous êtes les coudes au sol, hop, on va mettre un petit peu. 60 degrés, on est ici, on va juste décoller la fesse, tout simplement, et tenir. Donc ça, c'est la première option, garder les coudes en dessous de l'épaule, et là, c'est surtout se grandir. On pousse les fesses en avant, et on est là. Deuxième option, on peut aussi tendre la jambe, comme ceci, et on tient. Donc le but, c'est de pousser, là, décoller, pousser la hanche vers le plafond, et tenir. Donc, ou les pieds au sol, ou là, voilà. Ou sinon, hop, on est là. On souffle bien, on pousse les fesses en avant et là on monte, on essaie de tenir. On serre le ventre et on monte au plus possible et on tient. Donc on peut tenir 15 secondes, 30 secondes, voilà, ou une minute. On relâche et puis on reprend. Hein. De l'autre côté, on alterne. Donc pareil, là on fait 15 secondes, 30 secondes et après vous changez. Hein. Donc là pareil, vous prenez les mêmes bases. Le coude en dessous de l'épaule, le genou un petit peu plus vers l'avant, comme ceci. Les options, donc on peut mettre ici, surtout pousser les fesses en avant, là, la même chose, hop, on peut tendre aussi la jambe, donc le côté, super, et là si on veut tendre, donc il y a deux façons, ou les pieds l'une au-dessus de l'autre, voilà, on démarre comme ça, ou les pieds devant comme ceci, et on monte, d'accord, donc poussez bien, et on tient, donc génial, pour l'étirement, pareil, il y a un petit peu l'appui des bras, donc on va passer les fesses, s'asseoir sous les talons, on va passer le bras droit en dessous du bras gauche, on regarde, comme ça étire un petit peu l'épaule, dos, hop, on revient à la même chose, on change de côté, super, et là par rapport aux obliques, on peut aussi aller tendre sur le côté, comme ceci, toujours penser à souffler, et la même chose de l'autre côté. Voilà, vous essayez de le faire une fois, déjà si on fait une fois, c'est déjà super, ça requinque. Et donc voilà, donc à vous de jouer. Bonne journée.